c'est une cérémonie quand même très significative dans le partenariat de l'IFDOC et de communes. Depuis plus de 10 ans, voilà FIDEI qui s'échine à accompagner les écoles. Alors, non seulement l'accompagnement est vraiment une aubaine pour la communauté, mais c'est également une aubaine pour l'équipe pédagogique. Parce que le lot de fournitures données est constitué non seulement de cahiers, d'ardoises, de documents pour les élèves, mais également il y a un accompagnement pour les équipes pédagogiques en termes de papier pour tirage, mais également d'encre et d'autres documents qui nous serviront dans la gestion administrative de l'école. Alors nous avons insisté sur véritablement trois aspects. Que ces écoles partenaires de FIDEI puissent avoir vraiment une gestion participative inclusive de justement ces dons. Deuxième élément, que ces écoles également veillent à ce qu'il y ait une transparence, que ces documents puissent servir demain ou après-demain, pour être plus juste, à réaliser ce qu'on appelle le Ubitei Jangtei. Le 7, les élèves seront là. Il a été donné recommandation au directeur de remettre les cahiers aux élèves et de commencer immédiatement à faire des enseignements d'apprentissage en termes de révision. Le dernier élément que nous avons également donné comme recommandation, c'est que ces écoles-là puissent rendre ces documents, ces dons efficients. FIDEI est en train de faire des actions vraiment très sociales, très humanitaires envers les enfants. Et voilà, nous comptons en tout cas respecter les recommandations et les consignes de l'IEF, que ces fournitures-là aillent en tout cas directement aux enfants. Depuis que FIDEI est là, nous avons constaté que ces dons-là impactent positivement sur les résultats scolaires des enfants. Vraiment. La communauté également est très satisfaite de ce que FIDEI est en train de faire dans nos écoles. Voilà, donc nous ne pouvons que nous en réjouir, quoi, vraiment. Nous allons contractualiser avec chaque directrice ou directeur d'école en disant que nous sommes aujourd'hui à 50 ou 100% de taux de réussite. Arrangeons-nous pour que à la fin de l'année, qu'on puisse aller à 80 ou 90%. D'ailleurs, c'est une option prise par le ministère et nous allons prendre cette voie. Alors, terminer par dire que le partenaire FIDEI, c'est véritablement un partenaire stratégique. Nous le remercions non seulement pour ce qu'il a fait pour ces écoles, mais aussi pour ce qu'il fait en matière de construction. FIDEI, ne serait-ce que depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, a réalisé 8 salles de classe au niveau de Cheikh Touré, ce qui constitue un record quand on sait le coût d'une salle de classe. Et il a promis également de financer d'autres projets, mais avec seule condition, c'est que ce projet soit centré sur les apprenants. C'est pour dire en fin de compte que si l'IEF de Saint-Louis Commune devait faire le bilan de son partenariat, étant donné que le ministère maintenant, à travers la DAJ, voudrait que l'on inscrive tous nos partenaires au niveau de la plateforme, nous dirons que FIDEI constitue en tout cas, sans aller jusqu'à dire que c'est le premier partenaire de Saint-Louis Commune, il figure parmi les partenaires privilégiés. Du wax ni message bi vraiment l'air na niñ ko waxé moy li nga xamanteni FIDEI moko djel djox ko élève pour jappeler parents yi ci walu fourniture inshallah niko essayé demandé buñu démé dañ ko défé non pour que xalé bu nek jot ci li nga ci wara jot pour djimuli parents yi ci walu fourniture wala yé nga xamanteni dina len dimbali sax ci sen walu résultat scolaire ak yoyu.